Jody, il t'attend dans son bureau. Ouais, c'est bon, j'ai compris, maman, merde. Eh bien, bonjour tout le monde, c'est les Mikoupai. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans... ça. Donc, madame, qu'est-ce que tu vas me dire? DPA. DP. Non, je sais pas pourquoi ça me fait rire. Ah, c'est lui, ok. Willem Dafoe. Quand même, en vrai, quel acteur ce mec, hein. Je m'appelle Nathan. Ah, c'est toi, Nathan, Nathan alors. Dawkins. Je me suis dit que ce serait une bonne idée qu'on discute, toi et moi, pour qu'on apprenne à se connaître un petit peu mieux. Enfin, si ça ne t'embête pas trop, bien sûr. Ça me fume les psys quand t'es enfant. Quand t'es un enfant, les psychologues, ils adorent dire ça. Et j'ai jamais vu un gosse porter ses couilles et dire « Non, ça me dérange !» Bon, en même temps, la plupart du temps, quand t'es gosse et que tu vas voir un psychologue, c'est surtout parce que tu te fais harceler ou que mentalement, les gens trouvent que t'es bizarre quand même. Eh, c'est marrant, c'est ce que j'ai eu dans mon enfance. Oh, merde. Bon, après, j'étais pas un enfant chelou à ce point, ce qui est un peu dommage. Non, parce que franchement, si j'aurais une entité, ça aurait été cool. Excusez-moi, mais ça aurait été classe. Comme les choses qui arrivent autour de toi. Tu vois, tu dis ? Ta maman m'a raconté que tu avais un ami invisible. Mais qui est pas... Oui, bah là, oui, hein. Est-ce que ça fait longtemps qu'il est avec toi, cet ami ? Bah, épaule, parce que... Honnêtement... Pour elle, c'est sûrement vraiment depuis sa naissance qu'elle a Aiden. Mais le joueur, il ne le sait pas. Ouais, du coup, moi, je vais dire je sais pas, hein, clairement. Je vais hausser les épaules. Bah là je suis obligé de dire épaule parce qu'en vrai on n'en sait rien. Par logique, c'est oui, mais on va dire non. C'est un fantôme. Ou alors l'esprit de quelqu'un qui serait décédé. Oh putain, c'est horrible. On sait pas. Est-ce que... Allez, on va te rendre perplexe. Oui, il y a des ça. Vous êtes vraiment des enfoirés, vous voulez vraiment qu'on dise épaule à chaque fois, hein. Ça se voit que même eux, ils veulent qu'on l'emmerde, en fait. Juste ça, qu'on le fasse chier. Ils veulent qu'on emmerde Willem Dafoe. Ils veulent qu'on emmerde le bouffon vert. Bon, en même temps, il tient un peu son nom. Mais, ouais. Bah, c'était la blague facile en même temps. Voilà, c'est une grosse boule toute bleue ou noire. C'est, je sais pas c'est quelle couleur le stylo. Bah non, connard, je l'ai dessiné pour qui à ton avis? Non, mais clairement, c'est aussi ce qu'elle doit se dire, hein. Cette chose, c'est ton ami, et il est relié à toi avec une espèce de cordon. C'est un cordon ombilical, c'est mon fils. Est-ce qu'il est avec nous? Oui! Oh, ne rien dire, oui. Allez, on va le dire quand même. Allez, il est ici. Tu peux lui demander de faire quelque chose. Allez, allez, ah! Oui! Il est derrière toi. Parle. Ah, c'est gênant là. Ah non, mais ok, c'est moi en fait qui est con. D'accord. Allez, on va niquer son ordi. Il a vraiment niqué l'ordi. Non, je voulais juste une petite blessure. Ce qu'il doit faire et il obéit.
Pas tout le temps. Il décide tout seul. Il est comme un lion en cage. On est attachés tous les deux. Il peut pas s'en aller. Et du coup, toi, t'es la viande ? Il est très en colère. C'est pas de ma faute. Je voudrais qu'il parte, moi aussi. Bizarrement, il va t'aider. Il y a des fois où il peut vraiment faire très peur. Est-ce que c'est lui qui t'a fait ça ? Non. Ah ! Putain, elle s'est mutilée. Enfin, les monstres. À un si jeune âge. Enfin, je dis ça, mais la sorcière, elle a 10-12 ans. Hein, donc, bon, après, dans tous les cas, t'as pas à te mutiler à 10-12 ans. Et t'as même pas à le faire tout court, donc nique ta mère. Mais... ah, 77%, d'accord. Et 81% ont décidé de montrer les pouvoirs. Mais du coup, sachant que moi, je suis quand même resté longtemps sans les montrer. Enfin, une minute. Au bout d'un moment, il doit se dire, bon, bah d'accord, tu me les montres. Ah oui, mais non, j'ai dit que j'allais lui montrer. Donc en fait, ok, non, laissez tomber. C'est juste moi qui est trop con. Mais vous le savez, je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo. Maman ! Maman ! Je pensais qu'ils allaient crever, que ces docteurs, ils allaient nous adopter. Non. Ouais. Ouais, juste le temps de finir le jeu. Et oser dire le contraire. Tu verras, ça passera très vite. Suzanne, allons-y. Pas la peine de faire traîner les choses. Non, lui, il en a vraiment rien à foutre. Hein. Si le père, c'est pas le boss final, je comprendrai pas. Ou en tout cas, il fera partie des méchants de l'histoire. Si c'est pas le boss final, il fera partie des méchants. Ah, ça fait très film d'horreur quand des gosses disent ça. Hein. Je suis désolé, hein, mais ça fait très truc horrifique hein, quand on dit ça. Surtout quand c'est des gosses. Vous parliez combien, on va tout entendre grâce à Aiden. Après, le truc que je me dis, c'est que quand Aiden va écouter les autres, est-ce que Jody... elle l'entend, ou alors c'est juste vraiment le joueur qui entend. Parce que si c'est que le joueur, c'est nul. C'est bien, mais c'est frustrant parce qu'elle peut pas savoir. Allez, faut que je trouve un endroit pour me changer. Et ben on a juste à bouger la caméra pour qu'on te regarde pas. C'est un vrai miroir ou non? Bah ici, hein, ça a l'air bien pour se changer à côté d'un PC, un lit. Bon, même s'il n'y a pas de couette, du coup, bon, tu vas un peu te geler, mais bon. J'espère qu'ils ont pas mis de caméra ici aussi. Ouais, faut vraiment l'espérer, sinon c'est très dégueulasse. Ah, apparemment, il n'y a pas de caméra. On n'a rien vu. Je sais, c'est dégueulasse de dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut jouer? Non, attendez. Oh. Ouais. Ça a commencé quand, ces attaques? Sa mère m'a expliqué que ça durait depuis plusieurs mois maintenant. Au début, elle pensait que c'était de simples cauchemars et que ça finirait par s'arrêter. Mais elle s'est rendue compte que c'était plus compliqué que ça. Non! J'aurais écouté. Putain, c'est chiant, ils font que de pas. Des morsures. Regarde un peu l'emplacement de ses blessures. Elle n'a pas pu se faire ça elle-même. Ça ne ressemble pas à des maltraitances. On va attendre un peu. Ouais, et puis merde. Peut-être que quelque chose s'est battu. Vous avez débloqué un nouveau bonus. Ah d'accord, en fait, c'était juste pour un easter egg. Cette gamine a du cran. Elle a un profil psychologique très intéressant pour une gamine de son âge. Ça, c'est certain.
T'as l'air mort. Pas trop posé un peu, je reste de garde. Je te réveille à 3h, ça te va? D'accord. Bah il est 22h15 quand je tourne la vidéo, alors 3h15 c'est vraiment cool hein. Franchement, t'as de la chance mon pote. Tu vas faire un gros dodo. Vous parliez combien c'est maintenant qu'on peut foutre vraiment la merde? Ça m'énerve parce que je suis sûr que ça va être vraiment un délire comme ça. Ah non, peut-être pas. Bon, attendez, on va se mettre là. Hop, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, une salle de bain. Oh la pauvre, elle a même pas de truc pour reposer son dos sur les chiottes. Vous êtes vraiment des monstres. Ouais, les chiottes comme ça, je peux pas me les voir, je les déteste. C'est l'heure d'aller se coucher, Jody. C'est l'heure d'aller se coucher, Aiden. Vous parliez que si... Ouais, non, en fait, ils peuvent me voir, donc bon. Ils auraient su que je dormais pas. Maman! Putain, elle a vraiment appelé Monsieur Lapinou en plus. Hein. Moi, je disais ça pour la vanne au début. Putain! Bon, en même temps, c'est vrai que quand on est enfant, on n'a pas énormément d'imagination. Hein. Donc, en même temps, moi, mes doudous Yoshi, je les ai appelés Yoshi. Donc, bon. Ça prouve que j'ai pas eu d'imagination. Et encore, le deuxième doudou Yoshi, je l'ai eu en 2021, en même temps que j'ai acheté Zelda Skyward Sword. Et putain, faut que je le fasse en let's play. Ah, il arrivera un jour. Peut-être pas en 2023 parce qu'on a Breath of the Wild 2 qui doit sortir. Mais un jour, ça arrivera. Le plus vite possible, je l'espère. Non, parce que franchement, là, ça va me mettre dans la merde sinon. Hein. Dites-vous que ça fait un an et demi que j'ai acheté Skyward Sword, je n'ai toujours pas joué au jeu, même pas 5 minutes. Je connais le jeu par rapport aux vidéos et en même temps parce qu'il est sorti en 2011, mais mis à part ça, je n'ai jamais joué moi-même au jeu. Bonne nuit, Jody. Donc là... Laissez la lumière dans le couloir. J'aime pas quand il fait noir. D'accord. Ça va comme ça? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Le pauvre, il doit rester éveillé pour me... pour regarder une gamine. Pour voir si elle va pas faire de trucs bizarres ou s'il va rien lui arriver de bizarre. C'est horrible. Ah ouais, c'est vrai. On doit se tourner de gauche à droite ou de droite à gauche. Et maintenant, on dort. J'arrive pas à dormir, Aiden. Fais chier. Je crois que j'ai besoin d'une histoire. D'accord. C'était sûr. Wouh! Attends, mais moi je veux voir l'histoire là. Bande d'enfoirés. Oula, il se passe des trucs chelous là. Ah bah ouais, de toute façon c'est pour ça qu'on est avec Aiden là, c'est pour vérifier des trucs bizarres qui se passent. Ah, il s'est endormi. Ah non, c'est juste Aiden qui fait ça. Alors je comprends hein, qu'il nique l'électricité et tout, mais pourquoi lui il est endormi? Enfin frérot, reste éveillé, je sais pas. D'accord, en plus on est obligé de rester avec Aiden. Bah en même temps logique, j'ai envie de dire.
Le pire dans l'histoire, c'est que ça se peut, c'est même pas Eden qui fait ça. Hein. Ce serait horrible. Oh, un monstre! C'est pas vrai! Attends, il se passe quelque chose! Il se passe quelque chose! Il se passe quelque chose! Allez, bâtard, viens, on va se battre! Allez, fils de pute! On va se centre. On va. Ça va se tuer maintenant. Allez! Ah! Lâche-la. Et ne reviens pas jusqu'à la prochaine nuit, fils de pute! J'espère. Oh putain, même là, il arrive à la choper par le pied. Non, d'accord, il fout le bordel. Wouh! Ah! Et dire que c'est même pas elle qui a foutu la merde à ce point. Docteur, docteur! Tout va s'arranger. Aiden n'a plus peur des monstres maintenant. Ah, ça c'est cool! Ah, bah oui, vu qu'il les combat. Et heureusement qu'on existe quand même, hein! Par contre, il a l'air énervé, lui. Ou alors, c'est juste qu'il est perplexe parce qu'il comprend rien, ce que je peux comprendre. Ah, trophée obtenu, victoire par KO. Yes! Attends, quoi? Bon, déjà, l'entité, il faut vraiment... Entité vaincue, ouais, bon. 95%, je comprends, hein. Donc, faut vraiment puer la merde. Pour n'avoir rien fait, ou alors faut juste se laisser faire, hein, ce qui emmènerait à une autre suite de l'histoire, de ce qu'on va voir, réveiller Cole pareil, et comment ça nos parents, ah non, Dawkins, carrément, et parents non espionnés. Encore pour les parents, je peux comprendre qu'ils soient espionnés, mais Dawkins, donc William Dafoe, pourquoi lui il serait espionné? C'est bizarre. Les parents, je veux comprendre. Je peux comprendre pourquoi. Il y a un milliard de raisons. Mais que Nathan se fait espionner, ça, c'est vraiment le truc le plus bizarre. Hein. Vraiment. Ah. Papa! Tu vas pas me gronder, c'est j'espère. Ah non, peut-être qu'ils vont nous dégager, par contre. Ah. T'as pas intérêt à la dire ça jeudi, alors j'irai droit au but. Oh, quel connard. Ta mère et moi, on a été transférés, on quitte la base. Ah non, ça va, c'est que ça. Attends, quoi? On voudrait t'emmener avec nous, mais on pense que... En fait, tout le monde pense que ce serait bien mieux pour toi de rester ici avec le... Bah oui, Dawkins, c'est lui. Du coup, pourquoi lui, il serait espionné? Les parents, je veux comprendre. Mais lui, pourquoi? Bon, tu veux que je casse un truc, Josie? Le plus souvent possible. Et quand tu iras mieux, tu nous rejoindras dans la nouvelle maison. Ok? Allez, dis-moi, je casse un truc. Brrr. Allez, je veux faire tomber cette table. Au revoir, Johnny. Et moi alors, j'ai pas le droit à un au revoir, connard? Bon, maman, elle, on sait qu'elle est gentille, mais lui, je lui fais pas confiance. C'est difficile. Mais je suis sûre que tout ira bien. Bon, on doit y aller. Suzanne? Laisse-moi une minute, Philippe. Ouais, sois pas un connard avec ta fille, quand même. Sinon, je te jure, je t'étrangle tellement fort que tu vas aimer ça, bâtard. Par contre, j'espère qu'elle va pas vraiment lui laisser une minute, hein, parce que c'est long, une minute. Surtout qu'on n'a rien à faire.
énervé, le monsieur. Ou alors il pense à un mal. Merde, non! Elle a essayé de me tuer! C'est le démon, cette gamine! Et le pire, c'est qu'on aurait pu le tuer, on aurait pu aller plus loin! T'entends? T'es un monstre! On aurait pu vraiment le buter là! C'est juste moi qui ai décidé d'arrêter! On aurait pu tuer notre père! Putain, vous savez que je vais le faire pendant le stream, hein. Mais c'est bien, tu as fait. Je vous jure. Ah, tu as fait le bon choix. Je vous rappelle qu'elle a quand même dit qu'Aiden faisait tout seul, hein. Donc s'il voulait si Aiden a décidé de tuer le parent, il l'aurait fait. Seul. Trophée obtenu, pas mon père. Ah bah c'est joyeux ça. Père de Jody étranglé. Ah, et la voie non empruntée, c'est soit on le bute, soit on ne l'étrangle pas du tout. Et éventuellement, je me dis que c'est un peu le truc le plus intéressant à faire pour voir est-ce qu'il nous aime quand même si on l'aurait pas étranglé. Enfin, en vrai, je pense que oui, mais... En fait, je suis pas sûre. Je ferais peut-être mieux de pas y aller. Jody, ça fait des semaines que t'as prévu d'y aller, tu vas pas te gonfler maintenant. Ah, l'adolescence. Peut-être qu'ils m'aimeront pas, et... Cette robe est affreuse. S'il te plaît, on peut rentrer. Respire. Il n'y a aucune raison de paniquer. Ce n'est que la fête d'anniversaire. Tout le monde t'appréciera, j'en suis sûr. Tu vas t'amuser et peut-être même te faire des amis. Oh, il serait temps. Allez. Oh, tu as oublié ton cadeau. C'est quoi ? Un recueil de poèmes d'Edgar Allan Poe. Oh. À 50 ans, il est très rare. Je suis sûr que ça lui plaira. Allez, bon, après, c'est vrai que si c'est rare, même moi, je m'en bats les couilles de la poésie, mais je peux vous jurer que si on me trouve un truc très rare, et en plus c'est l'original, je peux vous jurer que je serai content. Parce que ça veut dire que si je décide de le vendre, et bah, je pourrais le vendre la peau du cul. Et ça, c'est cool. Ah bah alors là, ouais, ça a 50 ans, il n'y en a qu'un seul exemplaire. Excusez-moi de vouloir le vendre pour me faire des couilles en or, hein. Excusez-moi de penser qu'à l'argent dans un monde capitaliste, en majorité. Salut, Jody. Entre. Bonjour. Kirsten, tu te dépêches, il faut que j'y aille. Entre, Jody, fais comme chez toi. Salut. Ah, je peux foutre la merde. Viens, on est dans le salon, il y a quelques filles de mon école et des mecs pas trop relous. Tu mens. Un cadeau pour moi ? Cool, merci. Oh putain, je ça a l'air d'être ma chérie, une connasse. Prends soin de tes amis et surtout ne faites pas de bêtises, d'accord ? Ouais, j'ai un fer. Vous parlez. Ça y est, elle s'est enfin tirée. Ils vont foutre la merde. Hé, hey, tout le monde, ça c'est Jody. Elle est dans l'unité 4 avec ma mère. Dans l'unité 4 ? Le service du paranormal ? Ouh, et qu'est-ce que tu fais là-bas ? Tu plies des cuillères ou tu parles avec les morts ? Non. Des trucs comme ça ? Non. Wouh ! Allez tout le monde, je vais chercher la bière. Les gars, elle est au courant, mais on va trop s'éclater. Ouais, je pense que Kirsten, elle est au courant de ce qu'on fait avec sa mère. Comme quoi, c'est nous la personne pas trop normale, MDR. Eh, pourquoi on est dans le noir ? Monsieur, pourquoi t'étais bugué ? T'allais pas avancer tant que je me serais pas ramené, c'est ça ? C'est pas bien. Oh, des bébés, une famille, des choses que je n'ai pas. Il pleut. Bon, où est cette connerie de musique ? Non, ça c'est la cuisine. T'as pas mis une musique ? Mais je sais pas où elle était ! Vous parliez combien, ça va compter dans les choix. Vous parliez ce que vous voulez, de toute façon vous savez que c'était un des choix. De la coke. Ah presque. Ou alors c'est vraiment de la... Ma mère met plus les pieds dans ma chambre en ce moment, elle est complètement à la masse. C'est quoi ?
Ah, c'est de la bière. Allez, on va dire oui. Bon, surtout pour pas se faire insulter de fils de pute, hein. C'est éventuellement pour ça. Après, éventuellement, moi j'aurais dit non, désolé, je tiens pas l'alcool. Ouais, voilà, t'as tout compris. Non, c'est pas la première fois. Wouh! Oh putain. Mais pourquoi dans les jeux vidéo y'a que ça comme danse? Ça pue la merde. Sauf dans Fortnite où éventuellement ils se sont enfin décidés de faire des vraies danses. Et putain, j'attends tellement les danses du chapitre 4. Ouais. Bon, alors je vais parler avec le garçon là-bas. Il a l'air très sympa, je pense. Bon, oui. Bon, alors je vais couper mon micro et vous laisser avec le jeu pendant un petit moment. Désolé. Oh, c'est ta première fois? Ça m'a fait la même chose. Est-ce que ça va, Jodie? T'as l'air un petit peu bizarre. Hé, hey, t'es toute pâle d'un coup. Est-ce que t'es sûre que tout va bien? T'as pas l'air très en forme, Jodie. T'es mise dans un de ces états. Ça va aller, Jodie? Qu'est-ce que tu penses? Tu te demandes ce qu'on fait ici. Je me pose la même question. Je sais, tu m'avais prévenu. J'avais juste envie de voir ce que ça ferait de sortir et d'avoir des amis. C'est pas vraiment à ça que je m'attendais. Salut, moi c'est Matt. Jodie, c'est ça? Je crois que je t'ai jamais vu au bail. Tu suis pas de cours sur la base? Je suis un autre programme, avec un prof particulier. C'est plutôt rasoir. J'ai jamais l'occasion de voir des personnes de mon âge. Mais bon, je suppose que j'y suis habituée. Alors, tu bosses avec la mère de Kirsten? Ouais. On travaille dans le même labo. Elle a pensé que ce serait une bonne idée que je vienne pour passer un peu de temps avec des personnes de mon âge, alors. Me voilà. Avant, j'habitais à Londres. Et puis on a emménagé ici, il y a 2 ans. Et toi? Où est-ce que t'habitais avant? New York. Oh la vache, j'adore New York, c'est énorme. J'y suis allé une fois et je me suis éclaté. Est-ce que t'as des loisirs? Des trucs que tu fais pour t'éclater? Moi je surf dès que j'en ai l'occasion. Et je joue dans un groupe avec des potes. Et toi, qu'est-ce qui te branche? Ça va te sembler super rasoir, mais... Enfin, j'aime beaucoup lire et... J'aime le sport. En fait, je peux pas quitter la base, alors ça limite un peu mes choix.
Tully, j'ai un truc à te demander. Pourquoi t'es dans l'unité 4 ? J'ai pas envie d'en parler. Désolé. Merde, je suis trop con. J'espère au moins que je t'ai pas trop contrarié. Non, okay, c'est rien. Oh, cool, un slow. Est-ce que t'as envie de danser ? Ouais. Tu sais, je parie qu'on te le dit tout le temps, mais t'es super mignonne, je te dis. Est-ce que tu dis ça à toutes les filles que tu croises ? T'es pas comme les autres filles que je connais. Y'a quelque chose de spécial chez toi. Je te trouve plutôt spéciale aussi. Pourquoi Jody nous ferait pas une petite démonstration de ses super méga pouvoirs ? Non, excellente idée, je serais curieux de voir ça. Laissez tomber, c'est juste des conneries. Ouais, vas-y Jody, montre-nous ce que tu sais faire. Alors Jody, prête pour une démonstration ? Non, j'ai pas de pouvoir. Qu'est-ce que je vous disais ? C'est qu'une mytho. Bon, allez les gars, c'est l'heure de manger ce délicieux gâteau et surtout d'ouvrir mes cadeaux d'anniversaire. En fait, le gâteau attendra, je préfère ouvrir mes cadeaux. Bisous, Jen, joyeux anniversaire. Oh, c'est trop mignon de ta part, je parie que c'est décollant. Un string ? C'est exactement ce que je voulais. Comme ça, tu piqueras plus ceux de ta mère. Et t'amélioreras tes chances de trouver un mec potable. Mon prochain copain manquera pas de te remercier pour avoir rendu sa vie plus excitante. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un vieux bouquin ? Ah, ça sent le moisi. C'est un livre très rare, un recueil de poèmes d'Edgar Allan Poe. Edgar Allan qui ? Quoi ? T'as piqué ça dans la bibliothèque de ton grand-père ou quoi ? Non, c'est un livre très ancien. Ouais. Comme ta robe, on dirait. Non, sérieux, c'est ça ton cadeau ? J'arrive pas à croire que tu sois venue à mon anniversaire pour me donner cette vieille merde. Elle se croit trop intelligente. Mais c'est juste un rat de laboratoire. Exactement, un sale rat de laboratoire. Ouais. En plus, elle m'a suivi comme un petit chien toute la soirée. Elle attendait que ça. Oh, alors c'est une salope aussi. J'avais pas envie de l'inviter, moi, c'est ma mère qui m'a forcée. Ouais, c'est une salope. En plus d'être une sorcière, on devrait peut-être la punir pour ça. Et qu'est-ce qu'on fait aussi ? D'accord, désolé, j'étais en appel et je regardais tout. Hein. Et là, on se fait harceler. Yes, ça me rappelle l'école primaire et le collège. Ouais, je sais, j'ai une très belle vie de merde. Hein. Oh putain, les vibrations, faudrait que je les désactive. Ah non, mais t'es pas comme Harry Potter, merde ! Début de la soirée. Comment ça, j'attendais ça depuis le début de la soirée ? Pitié !
quelqu'un à parler de gâteau. Bon, Hayden. Hayden. Fous le bordel. Allez, Hayden. Bon, c'est dommage que les téléphones portables n'existent pas à l'époque du jeu, hein. Sincèrement, si ça existait, là, elle serait sauvée. Mais de façon, sa mère. Mais de toute façon, la mère de l'autre, là, quand elle va nous voir ici, elle va la tuer, hein. Du coup, on nous a traité de rat de laboratoire et de salope. C'est très constructif, hein. Franchement, pour où on en est, hein. Hayden, si t'arrives pas à ouvrir, t'es une merde. Ah, t'as même réussi à ouvrir l'autre porte. Respect. Ah non, en fait, c'est juste. Il y a une vitre et tout. Je déteste les choix comme ça. Moralement, on se dit tous, on part. Moralement. Mais quand on voit ce qui s'est passé, la vengeance, c'est vraiment le meilleur des trucs. Du coup, eh bien, on partira pendant le stream. Oh putain. Oh bordel. Bon, par contre, faut que je fasse quoi? Ah. Bravo, c'est super drôle, Steven. Eh, mais tu plaisantes, c'était pas moi. Ah, mais tu plaisantes. Allez voir dehors. Qu'est-ce que je peux foutre comme connerie? Oh. Non. C'est bon? Non. Pourquoi j'ai l'impression qu'on doit y aller les voir pour dire hey, c'était moi qui a fait ça les mecs. Ah non. Ça suffit, c'est trop dingue, je me tire d'ici. Hey, me laisse pas toute seule. Oula. Attendez-moi. Oh putain. Merde, ouvrir la porte, c'est impossible. D'accord, Hayden a bloqué la porte. Hey, pas de panique, restez calme. Ah non, on aurait pu penser que c'était elle, mais pas du tout. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'on peut pas déplacer Hayden librement. C'est dommage. C'est tellement dommage. Les fenêtres, on a qu'à essayer les fenêtres. Les fenêtres sont bloquées. Ouais, c'est ça. Non, elles sont coincées. Regarde. Si c'est pour déconner, c'est vraiment pas mal. Oh putain. One shot. Ah, elle m'a gêné, la pute. Le pire, c'est qu'on sait que c'est mal. On sait qu'on va être mis dans la merde. Mais, voilà. On sait qu'on va être dans la merde à cause de ça, hein. On va être dans la merde et la mère va sûrement mal le pro. Bon, lui, il le mérite, honnêtement. Bon, surtout l'autre qu'on a embrassé. Ah. Ah non, là, non, j'avoue que pour ça, je m'excuse. Là. Mais non, mais parce que c'est dégueulasse, les bruits des ballons qui explosent. C'est horrible. Oh putain. qu'est-ce que c'est marrant de tuer des gens. Réveille-toi. Elle est morte. Oups. Ah d'accord, il nous dit d'arrêter. C'est pas faux. Bon allez, c'est le dernier. Je te comprends, on se casse. Allez, bisous. C'était le blond que je voulais toucher. Mais on n'a pas réussi à l'avoir. Il est très fort, cet enfoiré. Kirsten, est-ce que ça va?
Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a essayé de nous tuer! C'est un démon! Cette fille a un démon! Et un démon ou a un démon? Allez, Judy. Rentrons à la maison. Ils ont dit que ton cadeau il était nul, je me suis vengé. Le pire c'est que c'est vrai. Donc on a tous les droits. On dit pas que le cadeau est nul. Ah, l'anniversaire. Pourcentage des joueurs ayant suivi ces voix. Alors, 66% ont décidé d'être sobres. Ah, ça veut dire qu'on aurait pu se rebourrer la gueule en fait. 58% ont fumé. Bah putain. 55 ont embrassé le fils de pute. Et en même temps, ouais, bon. 63% pouvoir dissimuler. Ok, lui, je le comprends pas. 57% maison intacte. Vous êtes sûr, là? Parce que les mecs, moi, de ce que je sais, j'ai foutu le bordel dans la maison. Hein. Et ado attaqué, 76. C'est-à-dire qu'il y a quand même 24% de gens qui ont eu la gentillesse de se barrer directement. Eh ben, comme quoi, on est vraiment tous des fils de pute, hein. Je vous aime. Je t'ai dit non, inutile d'insister. Je t'en prie, Nathan. C'est qui elle? Il y a toutes les autres filles de ma classe qui vont y aller et je reviendrai pas tard, c'est promis, d'accord? Tu ne me feras pas changer d'avis. Ah d'accord, c'est Jody qui a changé de style. Comment ça se fait que je dois rester gothique? Ici alors que tout le monde y va? Putain, mais ça rend tellement classe. Semaine, je fais tout ce que vous me demandez et en récompense, j'ai jamais le droit de m'amuser. Pour la centième fois, tu sais que tu n'es pas comme tout le monde, Jody. Il y a des règles. Ouais, bah j'ai pas demandé à être différente. J'ai juste envie de sortir et d'avoir des amis et d'être comme toutes les autres filles de mon âge. Tu ne pourras jamais être comme elle. Il faut que tu te fasses à cette idée. Bonne nuit. Ah ! Waouh ! C'est très insultant. Je me suis senti insulté personnellement. Hein, Je suis juste à côté. Appelle-moi si tu veux quelque chose. Eh bien, ouais, on voudra te revoir dans la prochaine vidéo, en espérant qu'on ne bute pas d'ici là. Franchement, je pense que je vais adorer la Jody comme ça, hein, parce que... Je sais pas, je trouve juste que c'est stylé. Bref, on est à 42 minutes, c'est très long. Je peux vous jurer que pour une vidéo sur PlayStation, c'est très long, 42 minutes. C'est beaucoup. Je sais que c'est de la merde, hein, 42, hein, mais pour la Play, c'est très long. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner sur ce C'était les Mics ou pas. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour... Jody cheveux bleus. Enfin, plutôt noir et bleu, mais... Oh, niquez vos mères, hein. Vous avez compris ce que je voulais dire. Bref, à bientôt.